Comment prévenir la recrudescence des violences basées sur le genre? La problématique est au cœur d'un atelier organisé par les femmes juristes de Côte d'Ivoire. Un atelier au cours duquel 35 relais communautaires du district d'Abidjan ont reçu des notions sur la prise en charge juridique, psychologique et médicale en matière de violences sexuelles. L'organisation de cet atelier est partie d'un constat. C'est par rapport aux nombreux cas de violence que nous avons constatés au niveau non seulement de notre clinique juridique au plateau, mais aussi des interpellations qui nous sont faites non seulement par les organisations nationales, mais aussi par les centres sociaux à travers Abidjan, mais aussi à travers l'intérieur du pays. Des relais qui ont pour mission d'aider les femmes juristes à mener à bien les activités de sensibilisation des populations et des victimes de violences. Au niveau de la violence, nos enfants qui sont les parents de demain, eux-mêmes, en leur sein, cette pratique est d'actualité. Et je pense qu'en les sensibilisant, cela pourrait contribuer à amoindrir ce mal. Je vais d'abord faire la restitution à mes collègues et aussi les sensibiliser. Dit que tous ceux qui doivent venir au centre là, il faudrait qu'on fasse une formation pour qu'ils partagent ce que nous avons appris aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, des récentes données font état de 918 cas de violences basées sur le genre, dont 217 viols de janvier à septembre 2011. Et le district d'Abidjan a enregistré pour le seul mois de mai 2011 134 cas de viols.